Bonjour les enfants, comment allez-vous? Alors c'est fini les vacances. Et demain, c'est la nouvelle rentrée des classes. Vous allez tous demain à l'école. Alors n'ayez pas peur, soyez courageux et courageuses. Alors quel est donc le jeu d'aujourd'hui? Alors chaque fois on va jouer à un jeu. Quel est donc le jeu d'aujourd'hui? C'est un jeu vraiment facile. C'est du mathématique. D'accord? Ça, du mathématique. Bon, on va comparer et dénombrer. Je vous explique. Regardez bien. En attendant le téléchargement, voilà. Comparer des ensembles. On a deux groupes. On va les comparer. Je vous donne un exemple pour comprendre ce jeu. Voilà, c'est un étang. Il y a des grenouilles. Bon, on va tout comprendre. Combien y a-t-il d'ensembles ici? Deux ensembles. Combien y a-t-il de groupes ici? Deux groupes. Alors, qu'est donc le petit groupe? C'est bien sûr juste à droite. Et qu'est donc le plus grand, c'est à gauche. On choisit toujours le groupe qui est le plus grand. Ça veut dire un ensemble qui contient plusieurs éléments. Mais avant cela, il faut dénombrer. Un seulement. Un, deux, trois, quatre et six. Alors on choisit toujours le groupe qui est le plus grand. On va choisir toujours l'ensemble qui est le plus grand. Et voilà. Oh là là. On va dénombrer ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On a bien réussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, on va dénombrer cela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bon, qui donc le groupe le plus grand? Qui donc l'ensemble qui contient plusieurs éléments. On choisit par hasard? Est-ce qu'on choisit par hasard? Non. Voilà, c'est bien joué. Alors, 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, je crois que 5 est supérieur que 4, c'est-à-dire 5 est plus grand que 4. Voilà, c'est bien. 2, on va choisir en égalité. On choisit par hasard. On va en choisir par hasard. C'est pas genre mieux. Il y a 2 ici, il y a 2 ici. 2 par 2, c'est juste. Ça veut dire 2 par 2. Soit on choisit donc, soit à gauche, soit à droite, c'est la même chose. Mais ici, c'est pas la même chose. Lorsqu'on choisit par exemple cet ensemble par hasard, regardez bien, on choisit par exemple cet ensemble par hasard, on commet une faute. Pourquoi? Pourquoi on commet une faute? Où est la souris? Voilà. Ah, ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas la bonne réponse. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce groupe contient un seul élément. Mais par contre, l'autre groupe contient plusieurs éléments. Ça se voit. Même on ne compte pas. Même on ne dénombre pas. Ça se voit. Alors, qui est donc le plus grand? Voilà, je vois tout simplement qu'il contient plusieurs éléments. Et choisir ça, c'est faux. Ce n'est pas la bonne réponse. Alors la bonne réponse, c'est bien sûr ça.
Vous avez compris. C'est facile maintenant. Allons, allons, allons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 8. 8 éléments. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah! 5 est plus petit que 8. C'est-à-dire 5 est inférieur et inférieur que 8. On choisit toujours l'ensemble ou le groupe qui est donc le plus grand. Voilà la bonne réponse. Oh là là. Même que je commets une faute, alors c'est oui. Alors, c'est vu que 2 est plus supérieur et plus supérieur. Ça se voit que 2 est plus supérieur que 1. Et pourquoi choisir 1 comme une faute? Oh, c'est pas la bonne réponse. Ah, c'est pas la bonne réponse. C'est 2 est plus grand que 1. On choisit toujours 2. Voilà la bonne réponse. C'est un peu difficile. On compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il y a 10 éléments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 est inférieur que 10. 10 est plus supérieur que 9. Le groupe le plus grand, c'est 10. Oui. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On choisit ça. Voilà. C'est facile maintenant. On choisit ça. Ah, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai de choisir. Alors, un est plus supérieur que les autres? Non. Non, 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 je crois pas. On choisit 8. 8. Ah, ça se voit qu'on est en égalité. Ça se voit qu'ils sont en égalité. Regardons ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, on va choisir par hasard soit à gauche, soit à droite. Voilà! 2, 1. Par contre, il y a ici 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Hein? À gauche ou à droite? À gauche ou à droite? Qui est donc le groupe le plus grand? Qui est donc l'ensemble le plus grand? C'est à gauche ou à droite? À gauche! À gauche! Mais non! C'est droite! C'est la bonne réponse. Alors, un compte. Oh là là. Ça se voit que ta gauche est beaucoup, 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 beaucoup inférieure que ta droite. L'ensemble à droite est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que... Et plus grand que à gauche. Mais on choisit à gauche. La bonne réponse, ce n'est pas la bonne réponse, mais c'est à droite. Mais ça se voit que cet ensemble, que ce groupe est plus grand, que ça se voit que que cet ensemble est plus grand. Où est donc la raison? Oui, c'est vraiment facile maintenant. Mais bravo les enfants, vous avez bien joué. Alors on va rejouer, mais sans aucune faute. D'accord les enfants? On va rejouer, mais sans aucune faute, sans aucune erreur. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, la bonne réponse. Voilà, c'est gagné, c'est gagné, c'est gagné. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ah, la bonne réponse. Ah.
C'est en égalité. Deux ensembles sont égaux. Deux groupes sont égaux. On va choisir par hasard, soit à gauche, soit à droite. Voilà, 1, 2, 3, 3, 4, voilà. Ah, voilà. C'est le même, c'est la même, c'est la même chose. Ici, c'est pas la même chose. On va compter. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ouais, voilà, c'est bien. Oh, c'est vraiment facile, sans compter, bien sûr. Ah, je vois que deux ensembles sont égaux. Ce sont donc les mêmes éléments. Quatre ici et quatre ici. C'est facile. Oui, non, 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 non. Ici, c'est 4 et 3. On sait déjà que 3 est inférieur que 4. On va choisir le groupe qui est plus grand. Voilà. Ah, c'est ça la raison. C'est ça la raison. Aïe, 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 aïe. C'est un peu difficile. Non, c'est pas difficile. Ça se voit qu'il existe ici plusieurs éléments. Et ça se voit qu'il existe moins d'éléments. Moins d'éléments. Moins d'éléments. On va choisir toujours le groupe qui est donc le plus grand. On va compter parce que c'est un peu difficile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va choisir ça. Et voilà. Pas de faute. Pas de faute. Ça se voit que voilà. Si on a raison, ça se voit que 2 ici est plus grand que 1. Vous voyez? Alors, on va choisir ce groupe-là. Voilà, c'est la bonne réponse. On a de l'intelligence. On a de l'intelligence. Parfois, on utilise notre intelligence, notre observation seulement, sans faire de compte. Ça se voit que ça se voit que ça se voit que ce groupe est plus supérieur que l'autre. Ça se voit. Regardons, regardons. Alors, supposons qu'on ne sait pas. On va compter, bien sûr, pour tout simplement valider le résultat. Un bon résultat, pour avoir un bon résultat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ce qu'on appelle dénombrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10. Voilà. 1, on mémorise. On mémorise. Il existe ici 10 éléments. On ne doit pas refaire plusieurs fois le travail. Hein? On doit mémoriser. On ne doit pas l'oublier. Hein? Ça y est, c'est 10 et 10. Voilà. C'est ici, dans la mémoire. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Et qu'est-ce qu'on a ici? 10. Est-ce que vous êtes sûr? Oui, 10. Et ici? Ah, j'ai oublié. On va refaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 et 10. Encore par les deux. 10 est plus supérieur que 7. Oh, je vais faire ce coup-là. Ah. C'est vraiment amusant ce jeu. Merci beaucoup. Alors, on va faire une petite observation. Alors, je vois qu'il existe ici 8, ici 8, mais il y a un élément. Alors, voilà la bonne réponse. 9 est plus supérieur que 8. Ah, oh, c'est facile. C'est facile. Bravo les enfants. Bravo, vous avez bien joué. C'est pas la peine de rejouer plusieurs fois. On a bien compris comment comparer les deux ensembles, les deux groupes, et on a bien compris comment dénombrer et compter chaque groupe qui contient bien sûr des éléments. Merci beaucoup les enfants, à très bientôt. Bon, c'est la rentrée, alors c'est donc le mercredi. Le mercredi, on va, bien sûr, le mercredi, je vous propose un jeu, d'accord? Puisque bien sûr, c'est l'après-midi. Hein? On profite l'après-midi pour faire un jeu. D'accord? Alors, quel est donc le jeu? C'est une grande surprise. Au revoir. Alors, jusqu'à mercredi prochain. Je ne vous dis pas, bien sûr, aujourd'hui. Hein?
À mercredi prochain, je vous propose ce jeu. Mais bravo, vous avez bien gagné. Bravo, vous avez bien gagné ce jeu. Félicitations. La prochaine fois sera donc ce mercredi, l'après-midi. Ce mercredi, ah oui, ce mercredi après-midi. À très bientôt. Au revoir.